En juin dernier, sur le plateau de l'émission « Quelle époque ?» sur France 2, Nikos Aliagas a partagé des confidences émouvantes sur son coup de foudre pour Tina Grigoriou, la mère de ses deux enfants. Nikos Aliagas, animateur emblématique de « The Voice », partage sa vie avec Tina Grigoriou depuis le début des années 2010. Lors de leur rencontre, Nikos était déjà une personnalité télévisuelle reconnue, tandis que Tina, psychologue, évoluait en dehors du monde du show business. Nikos a décrit le rôle essentiel de Tina dans sa vie en soulignant qu'elle l'avait « réparé » dans ses peurs et ses doutes. Dans le documentaire qui lui a été consacré en 2022, Nikos a déclaré « C'est une femme forte, c'est une femme brillante, et je crois qu'elle est à bonne distance avec tout ça, et j'en ai besoin. » Il a également partagé que Tina préférait rester discrète et ne se montrait pas souvent en public. Cependant, elle l'accompagnait parfois sur les tapis rouges, même si ce n'était pas son univers, et ils en profitaient pour rire ensemble comme des enfants. L'animateur a raconté le moment de leur rencontre sur le plateau de « Quelle époque ?». Il a décrit comment, lors de leur première poignée de main, Tina ne le reconnaissait pas immédiatement, ce qui a créé une connexion instantanée et inattendue. Nikos a partagé cette expérience comme un véritable coup de foudre, soulignant l'impact profond de leur première rencontre. Le couple a depuis accueilli deux enfants, Agathe, née en 2012, et Andreas, né en 2016. La belle histoire d'amour entre Nikos Aliagas et Tina Grigoriou continue d'évoluer avec tendresse et complicité.